Salut tout le monde, c'est BugmanFR, comment allez-vous? Moi je vais très très bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus particulièrement pour un nouvel épisode de LSPDFR. Alors aujourd'hui les amis, je vais vous parler et bien tout simplement de la nouvelle mise à jour que nous allons tester aujourd'hui. Je vais vous parler également, et ça je sais que vous l'attendiez beaucoup, du véritable LSPDFR qui est en cours de développement et qui va bientôt sortir, très très bientôt, dans les semaines à venir il va sortir. Je vais vous raconter rapidement ce que l'on sait et ce qui va être présent dans le jeu, enfin dans le mode plutôt, qui va transformer entièrement le jeu, hein, disons-le clairement. Et puis je vais également vous parler de la voiture que nous allons conduire aujourd'hui. Je pense que vous l'avez remarqué en introduction, j'ai fait une petite intro par défaut en gros entre guillemets, parce que je voulais à l'origine faire une véritable intro à la Liberty Auto comme sur GTA 4, sauf que je ne connais pas, je sais pas encore comment je vais appeler tout simplement l'émission qui va présenter les voitures. D'ailleurs, si vous avez des idées, je suis clairement preneur. Attendez, je reprends un café pendant ce temps-là, pendant que je vous parle. Je suis clairement preneur. Si vous avez des idées, vous pouvez les mettre dans le chat, histoire que je puisse tout simplement les étudier et pourquoi pas l'utiliser pour les prochains épisodes, histoire d'avoir un équivalent à Liberty Auto. Alors, Liberty Auto, pour ceux qui connaissent pas, c'est la petite émission de présentation automobile. Oui, je prends plein de café. Moi, je suis un fou. Moi, je me prépare pour la journée. C'est une émission de présentation de véhicules, modés ou non, histoire de présenter rapidement les caractéristiques des véhicules que je vais conduire dans l'épisode. Donc voilà, c'est rapidement ça. Donc bon, les collègues, j'ai pris pas mal de café, vous ramasserez, hein, moi je m'en vais, j'ai pas que ça à faire. Et donc voilà, c'est juste pour vous dire, voilà, j'ai fait une petite intro, histoire de vous montrer les capacités de l'éditeur une nouvelle fois, la beauté de la voiture que nous allons conduire aujourd'hui, parce que, là, franchement les amis, je tiens à vous le dire, on va vraiment conduire quelque chose de sublime. À côté des petites Clone Vic et à côté des Taurus, franchement, celle-là, elle défonce tout. La Taurus à côté, c'est une deux chevaux. Du coup, on va se rendre tout de suite vers notre véhicule, qui se trouve tout simplement dans le parking de la police. Donc là on est tout simplement sur un poste de police, hein. je sais même pas si je vous l'ai montré, enfin je pense que vous l'avez vu, on est sur un poste de police qui se trouve dans le sud-est il me semble de Los Santos, de la ville, et nous allons tout simplement prendre notre service dans cette magnifique Massacro modée, parce qu'il faut savoir qu'à l'origine la Massacro que nous allons conduire aujourd'hui n'est pas du tout conçue pour être une voiture de police. Alors, en montant dans cette voiture, je vais vous expliquer rapidement, parce que cette voiture a été légèrement custom, sans abuser bien évidemment. Apparemment il se passe quelque chose là, attendez que j'essaie de suivre. Il y a des collègues qui courent, attendez je vais y aller sans allumer les sirènes, on va rester tranquille. On va partir à contresens rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Oula, oh là là, ça recommence, attendez, il faut que j'arrive à comprendre ce qui se passe. On a des collègues qui sont en train de courir là-bas. Bon, attendez, on va les laisser courir, hein. Nous, on va se garer là. Donc oui, la voiture a été légèrement custom, comme vous avez pu le remarquer. La police a osé investir légèrement dans un nouveau pare-choc avant, plus effilé pour l'air et en carbone, donc plus léger. Ils ont investi également dans un petit spoiler, mais ça, c'est parce que je l'aurais forcé à le faire, parce que sinon, je démissionnais. Et sinon, donc, on a fait une reprogrammation du moteur de niveau 4, ce qui veut dire que la voiture va légèrement plus vite que d'origine. On n'a pas touché à la transmission, par contre, on a bidouillé les freins, histoire qu'ils freinent mieux, parce que quand on prend plus de vitesse plus rapidement et qu'on peut aller donc beaucoup plus vite, il fallait clairement changer les freins, parce que sinon j'allais me prendre les murs à chaque fois qu'on ferait une poursuite. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter rapidement la voiture. On a aussi changé les pots, mais ça c'est une évidence, c'est normal. Et on a rajouté un arceau de sécurité en cas de choc plutôt violent, histoire de rester vivant dans l'habitacle. Donc voilà, alors les amis, je vais donc vous présenter très rapidement cette nouvelle version, et puis après on part dans la patrouille, hop, je vais sortir de la voiture. Donc là, il va falloir que je vérifie, mais il me semble que je suis déjà on duty, donc déjà disponible pour les interventions. Donc on peut toujours contrôler le nombre de personnages que l'on veut, donc des policiers masculins, des policiers féminins, les autorités autoroutières, Snow, donc là c'est sur North Junction. Bon, on fera peut-être une patrouille sur North Junction, mais pour le moment c'est pas prévu. Dans ce genre de voiture, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre comme gars là? Non, pas un gars du SWAT quand même. Ouais, je pense que ce gars-là il a la classe, on va le défendre, enfin, il a la classe. Il est pas parfaitement adapté, mais on va le garder. On va prendre celui avec le gilet pare-balles. Et du coup, non, on va prendre celui-là, il est bien. Ah voilà, ça c'est mon collègue. Je sais pas pourquoi il a la sirène d'allumer, mais bon. C'est mon collègue en fait, donc simplement c'est l'escorte que j'ai activé, donc son objectif... Merde, putain, j'ai déjà défoncé la bagnole quoi. Son objectif à lui, ça va être de me suivre dans toutes mes péripéties. Donc quoi que je fasse, il va me suivre et il va m'aider en cas de complications. On a également, grâce à la nouvelle mise à jour, la possibilité d'appeler des hélicoptères. Donc on peut demander une aide en hélicoptère, c'est-à-dire que l'hélicoptère va se poser
enfin va se poser, va se mettre en stationnaire et larguer les collègues. Vous vous rappelez que dans l'ancienne version c'était un peu buggé, ça marchait pas très très bien. Tous les bugs ont été corrigés, on est vraiment parti sur quelque chose de tout à fait correct. Juste un truc, on est censé avoir des call-out automatiques, mais le seul truc c'est que pour activer les call-out automatiques, faut déjà faire un call-out manuel. Donc je vais activer ce call-out. Donc là, on a une intervention, j'ai même pas eu le temps de faire yes. Ah si, c'est bon, d'accord, ok, c'est parti. Donc on est parti les amis. Première intervention de la journée, qu'est-ce qui se passe? D'accord, il faut éliminer. J'ai même pas lu ce qui se passait, il faut éliminer les suspects, d'après ce que j'ai compris. Donc on va immédiatement sur l'intervention, et là vous voyez la vitesse tout de suite. La voiture part beaucoup plus vite. Alors par contre, elle a un petit défaut, c'est que comme elle est super légère, elle décolle rapidement et facilement du sol, et du coup elle perd un peu vite d'adhérence. Mais bon, c'est... Franchement, pour la vitesse, je suis prêt à sacrifier l'adhérence, sans déconner. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a déjà des collègues... What the fuck? Wow! On va se caler là. On a carrément... Oh putain, d'accord. On va balancer une fumée. Oh merde, j'avais le collègue. Bon, c'est pas grave. On va tirer à arme réelle. On neutralise. Ok. Toutes les unités ont été neutralisées. On est bon. On a un collègue à terre. On va demander une ambulance. Alors cette fois-ci, il y a des touches qui ont été tout simplement attribuées pour les ambulances. Donc il me semble que c'est F4 pour l'ambulance. Non, c'est F5. Backup. Non, backup, c'est pas ce que je voulais. F6. D'accord. J'ai perdu D'accord. Non, alors attendez, ça va être F7 alors. Paramedics, voilà, ok, super. C'est les paramedics que je voulais. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais pas faire ça, c'est un autre mode ça, merde. Voilà. Donc voilà, j'ai envoyé tout le monde. Là, j'ai envoyé un backup, j'ai envoyé les paramedics, j'ai envoyé tout le monde. Donc on a des collègues à terre. Ouais, bon, c'est dommage. On aurait pu intervenir un peu plus vite. La prochaine fois, on sera mieux. Du coup, pendant que le backup et tout ça, c'est en train d'arriver, nous, on va repartir parce qu'on n'a pas que ça à faire. Alors, on est parti. La voiture est légèrement défoncée, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que nos collègues sont toujours en vie? Ok, c'est bon, il est toujours dans la voiture, il a plus de portière, mais il est toujours en vie. Hop. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas encore morts, là? Il faut attendre quoi, là? Alors, attendez, les amis. Il faut que je récupère ce qu'ils ont sur eux, là? Il faut que je fasse quoi? Parce que leur marqueur, en fait, n'a pas disparu, c'est ça, le problème. Je vais aller sur le point. On va faire un peu de rando, les amis. Je sais pas pourquoi il faut faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est bon, ils sont neutralisés, les gars. Donc lui également, on est beaucoup mieux équipé qu'avant, en termes d'armes. On a donc un pistolet de combat, le pistolet paralysant, ensuite on a une mitraillette, bon on a vraiment très peu de balles hein, en termes de mitraillette, mais bon, on a deux chargeurs. Ensuite on a la carabine, pas la carabine spéciale, une carabine classique et un fusil à pompe, sinon on a tout simplement la matraque du policier, et un extincteur en cas d'explosion, et vous allez voir que... Lors de mes essais, ça servait beaucoup les extincteurs, mais bon, on va rester sur le gaz lacrymo pour le moment. J'en ai lancé un tout à l'heure, mais je ne l'ai pas lancé très stratégiquement, puisque tout simplement, il y avait un collègue sur place. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, là? Ah d'accord, j'étais plus on duty, d'accord. Donc là, ok, très bien. Bon, écoutez les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais... Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas tout compris... Parce qu'apparemment l'intervention est buggée, donc ce que je vais faire les amis... Bon voilà, il y a encore un bug, voilà, je vous l'avoue, il y a encore un bug. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une mini coupure, et je vous retrouve exactement au même endroit dans quelques instants. A tout de suite. Bonjour tout le monde, alors, comme je vous l'avais dit, il y a une petite coupure de quelques secondes, car tout simplement, j'ai dû redémarrer mon jeu afin de régler le bug que j'avais à l'écran, tout simplement. Et je peux vous dire déjà que ce n'était finalement pas du tout un bug du script que j'utilise, donc le police mode, mais bel et bien un bug venant d'un conflit entre le police mode et le firefighter mode. En fait, le menu du firefighter mode a tout fait bugger, et j'ai tout simplement désinstallé le mode afin de ne plus avoir de problème. Alors on est reparti exactement au même endroit, malgré que j'ai redémarré le jeu, je me suis remis au même endroit, et on repart dans la même voiture avec les mêmes customisations. Il sort tout simplement de refaire un petit tour. Alors, on est reparti, je suis de nouveau on duty, donc je suis de nouveau disponible pour le dispatch, donc s'il y a une intervention, j'en serai informé, et voilà, on est parti. Et je peux vous garantir que ça fait du bien d'avoir... Je sais que ça date un peu du coup maintenant, mais ah, on a une intervention. Course-poursuite à grande vitesse. Donc ouais, je disais, ça fait du bien d'avoir le jeu sur PC, parce que la fluidité, les 60 FPS et tout, ça fait un bien fou. D'accord, le suspect est mort. D'accord, j'ai même pas eu le temps d'arriver que le suspect est déjà mort. Ok, what the fuck, quoi. C'était où, en fait, le truc, histoire que j'arrive à comprendre. D'accord. Ok, donc en gros, les unités sont occupées avant que j'arrive. Très bien.
on va dire que c'est normal. Donc je pense que c'est un... Non, c'est peut-être pas un bug, parce que je sais que sur GTA 4, des fois, ça arrive aussi qu'on soit demandé sur une intervention, et pendant qu'on y va, on a une mise à jour de l'appel d'urgence qui nous dit « Bon bah écoute, l'histoire s'est déjà réglée, donc du coup, tu peux retourner en patrouille. » Donc non, c'est pas un bug, c'est pas du tout un bug en fin de compte, c'est juste normal. J'essaie de déceler le pour et du contre par rapport à ce mode, car tout simplement, vous le savez tous, hein, LCPDFR, le véritable LCPDFR, arrive, mais vraiment très très bientôt, il arrive à très très grands pas. Mais ça va, le feu il est rouge, gros. Ah d'accord, il n'y a pas de feu, pardon. Attends, t'es vénère contre un flic, toi. Pff, ok, d'accord, ok, il n'y a pas de problème, vas-y, vénère-toi contre un flic. Bonjour, je suis armé, enfuis-toi s'il te plaît. Je crois qu'elle avait pas compris que j'étais policier. Oh là, lui aussi sort son gun. Ouh, on va sortir d'ici vraiment calmement, parce que je le sens vraiment pas l'histoire, là. Ok, les gars, salut, hein. Je veux pas avoir de problème avec vous. Ok, ah, une nouvelle intervention. Wow, 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 je me fais tirer dessus. Oh putain, what? C'est ici, l'intervention? Oh putain, ça crée de la panique. Oh, j'ai pété l'arrêt de bus, oh mon dieu. Oh, putain, c'est la merde, on me tire dessus. Attendez, je vais appeler... Bon, les amis, l'intervention n'est pas du tout ici. Merde, je me trompe de bouton. Mais il va falloir que je demande... je vais demander un hélicoptère. Et voilà, je demande un hélico. Je peux pas demander de backup pour le coup. Ok. Va falloir que je m'occupe de ces gars. Parce qu'ils sont extrêmement dangereux. Et puis, oh, outrage à agent. Oh. Ok, on va essayer de neutraliser. Putain, ils sont nombreux. Je suis tout seul, quoi. C'est bon, l'hélico est sur place. Vous pouvez le voir sur la minimap. Il est ici. J'espère qu'ils vont m'envoyer les collègues. Parce que là, je suis vraiment dans la merde tout seul. Putain, je prends cher, en plus j'ai pas de gilet pare-balles. Putain, et j'ai peur pour ma vie, les amis. On va jeter une lacrymo. Là, je suis obligé, on va en jeter plusieurs, histoire que ça me couvre un petit peu. Est-ce qu'ils m'envoient du monde, là, les collègues? Eh, les gars, vous contentez pas de tourner en rond, hein, vous allez faire maman, là. Ok, j'en ai neutralisé un. Ah merde, y en a un là. Ok, super, ils sont plus que 3. Putain, l'intervention, mais sans déconner, je m'y attendais carrément pas. Donc vous voyez là déjà j'ai réussi à les faire changer de point de couverture en mettant deux lacrymos, donc en gros c'est le lacrymo hein, pour ceux qui connaissent pas. Déjà ça fait un nuage de fumée, mais je pense que le plus important à retenir par rapport au lacrymo de GTA c'est que ça tue. C'est du gaz toxique hein, tout simplement. Et le but c'est tout simplement de disperser les foules parce que ça, bah, en fait ça tue pas directement, enfin c'est pas... En France en tout cas c'est bon, on lance pas des lacrymos pour tuer, on lance des lacrymos pour disperser les foules. Ok super. Maintenant que ça s'est réglé les gars, y a plus personne, je vais partir à toute vitesse. Merde, ma voiture démarre plus. Ah c'est putain. Ma supercar n'allait plus démarrer quoi. Ok, on est reparti les amis. Attendez, je crois que j'ai un pneu à plat. Oh la merde. Bon j'y vais comme ça les amis, je vais pas pouvoir demander un autre véhicule parce que là on est en train de m'attendre. Oh là là, mais intervention sur intervention les gars. Bon j'ai... Je fais n'importe quoi, hein. Là la voiture c'est une propulsion. D'accord, lui il est à contresens, tout va bien, mais là je suis occupé pour autre chose. La voiture là c'est une propulsion et j'ai une roue arrière qui est crevée. D'accord. Donc cette intervention aussi, elle est clean. Ils étaient en poursuite contre le camion, là? D'accord, très bien. Ah d'accord, ils ont tué le conducteur, ils l'ont neutralisé. Bon, ils devaient vraiment pas avoir envie d'obtempérer, ce gars-là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, ma voiture, elle est vraiment hors d'usage. Du coup, je vais la mettre de côté. Et dans le RP, j'appellerai une voiture de secours et tout. Mais là, étant donné que ce n'est pas une voiture de police de base, je ne peux pas faire ça. Et je suis obligé d'aller donc dans le menu et de réparer ma voiture, voilà, donc voilà, j'ai appelé une nouvelle voiture, hop hop hop, je monte dedans, nouvelle voiture, super, voilà, donc l'ancienne voiture a été ramenée par la fourrière, si on imagine bien évidemment un truc réaliste, et on repart donc pour des petites patrouilles, on va juste regarder la petite pointe de vitesse, alors attendez, je voulais vous mettre le speedometer, histoire de vous donner une petite idée de la vitesse à laquelle on roule, donc et en parlant de ça d'ailleurs, je vous ai même pas présenté le trainer que je suis en train d'utiliser, mais c'est un nouveau trainer qui est apparu il y a très peu de temps, c'est un équivalent au trainer de GTA 4 qui permet bah, évidemment de faire spawn des objets, enfin c'est, vous voyez le trainer de GTA 4 qui était très très complet, et bien le trainer que vous voyez, que je suis en train d'utiliser aujourd'hui, c'est la même chose, il est extrêmement complet, il permet de faire les animations, les objets, malgré le fait qu'il ait quand même pas mal de bugs pour les objets, on peut pas les déplacer, on peut pas tous les faire spawn d'ailleurs, enfin il y a pas mal de bugs, alors attendez, merde, nouvelle intervention, on va se faire un petit drift. Oh, je voulais faire un truc stylé là, lui m'a tout bloqué lui, et donc voilà, c'est un trainer que j'utilise pour le coup, là on avait quoi, j'ai même pas lu. Bon, là on va à toute vitesse. Regardez le compteur de vitesse donc qui se trouve en bas à droite, qui est apparu. Là je suis à plus de 176 km/h, c'est énorme. Comparé aux petites Taurus et aux Crown Vic, je sais que je compare beaucoup à ces voitures-là, mais... la Crown Vic, elle est bloquée à 100 km/h, quoi.
Ok, on va couper par là. Ok, c'est à contresens. Ah non, c'est bon. On va s'y rendre rapidement, c'est à 700 mètres. Je sais pas vraiment vers quoi je m'amène là, par contre. Parce que, en fait, concrètement, j'ai pas lu. Oh, c'est génial cette vitesse, mais ce bruit du moteur aussi, il est génial. Ok, on est arrivé sur place. Oh putain, ça tire. Putain, mais par contre, ça c'est un bug, j'en suis sûr. Tous les suspects meurent avant que j'arrive. Ça, c'est vraiment dommage, les amis. Sans déconner, c'est... Non, franchement, là, et je suis déçu. Parce que, bon, je vous l'ai pas dit, mais je teste le script, le mode avec vous. Et sans rigoler, les flics qui sont en voiture, ils tirent sans... Enfin, je sais pas, c'est dommage. C'est vraiment dommage que cette version du jeu, bah, t'arrives et les gars, ils sont déjà morts. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Mais bon, j'en profite pour vous montrer, tac, les nouvelles options. Donc, je vous avais présenté les escortes au début de vidéo. Je vais me reprendre une petite escorte, histoire d'être tranquille, je vais aller la chercher. Et donc ouais, là franchement, s'il y a un bug qu'il faut qu'il règle, c'est celui-là quoi, qui nous laisse arriver au moins, avant de commencer la fête. Attendez, je vais faire le tour de la route et me mettre avec eux. Oh là ! Vous voyez, ils mettent pas leur clignotant, je vous l'avais dit, il y a très longtemps, je vous ai fait une vidéo de la toute première vidéo de présentation du mode... Oh, il a des néons ! Oh, stylé ! La toute première vidéo de présentation du mode LSPDFR, je vous avais dit, ils mettent pas leur clignotant, mais là, il a pas mis son clignotant, du coup, il m'a pas prévenu qu'il tournait, et j'ai failli me le prendre. Alors, bon bah du coup, on va attendre que le train passe et on va attendre une nouvelle intervention pour tout simplement repartir. Et j'espère que cette fois-ci, ils vont pas tuer le conducteur du camion ou de la voiture ou de je sais pas quoi avant que ça arrive. Alors attendez, on va voir ça tout de suite. Ok, le train passe, les barrières s'il vous plaît, les barrières. Bon, je passe en dessous en plus, bon c'est pas grave, je passe en dessous carrément. Ok, on a la voiture ici, je vais l'intercepter. Ok, c'est un gros 4x4. On va essayer de le bloquer. J'espère que les collègues vont pas tirer avant que j'arrive à le bloquer. On va essayer de se mettre devant lui. Ouh là 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 là, putain, attendez, alors... Il est sérieux? Oh, c'est bon! Oh, parfait! Oh, parfait, les mecs du gang, ils s'occupent de lui! Ok, attendez, poussez-vous, les gars! Wow, 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 wow! Ça dégénère, les gars! Oh, putain! Oh là là, quel dommage! Oh putain, je m'y attendais carrément pas. Oui, c'est clair que quand tu montes ton arme au gars des Vagos, ils vont croire que c'est contre toi alors que t'es de la police et que tu l'aides en fait. Bon, ça, c'est encore un petit truc du script qui est un peu gênant. Bah, du coup, on est de nouveau Michael. Je vais reprendre de nouveau. Mauvaise touche. Je vais reprendre de nouveau un agent de police. Je vais reprendre un policier masculin et je vais vous montrer du coup comment je fais spawn ma voiture. Donc, je vais donc dans le véhicule spawning, les sportives. Non, les sportifs qui est ici et la massacro qui est ici. Donc de base elle spawn comme ça, elle ne ressemble pas du tout, enfin elle ressemble à une voiture de flic mais elle a des couleurs et des customs un peu particulières. Et moi ce que je vais faire c'est que je vais aller dans les options, je vais aller dans les véhicules de mode, dans le mode menu, je vais activer les néons, mettre le klaxon de police, qui permet donc d'avoir un klaxon de police. Je touche pas la transmission, je mets les freins à fond, je mets le moteur à fond, ensuite je custom, vous voyez là ça je le mets pas parce que ça fait un peu trop sport, et je mets le capot. Enfin, je remets toutes les configurations que j'avais mises, voilà. Ceci, l'exhaust, c'est, je sais plus ce que c'est. Voilà, c'est le pot d'échappement. Donc ça, je mets pas parce que, regardez, ça bug un petit peu. Quoique, c'est peut-être fait pour être là, je sais pas. Bon, je l'avais pas mis, du coup, je le mets pas. Ici, on a, qu'est-ce que je custom, là? Le pare-choc arrière, donc je mets le numéro 1. On a une intervention, et rapidement, à l'avant, voilà, je mets ce capot. Enfin, ce pare-choc. Et je customiserai la couleur plus tard. Là, on est parti, j'ai pas mis l'aileron non plus. On est reparti. Ok, attendez, c'est laquelle des deux, là? Oh, putain, d'accord, une voiture du prologue. Ok, mais le respect a disparu, putain. Il te balance des voitures du prologue, le mec, il vient de la neige, quoi. Ouais, bon, moi, je viens d'arriver de mon avion cargo, j'ai pris ma voiture, la neige, elle a même pas fondu que je suis en train de... Je suis en délit de fuite. Bon, alors, attendez. J'arrête de parler et on va essayer de l'intercepter. Oh, putain, attendez. On va essayer de l'intercepter. On va le faire quitter la route, on va l'obliger à s'arrêter. Vous allez voir. Voilà, ça se passe comme prévu. C'est bon, il est bloqué. Ok, d'accord, vous tirez à vue, vous. Voilà, je l'ai tasé. Ne lui tirez pas dessus. Mais ne lui tire pas dessus, putain. Mais what the fuck, quoi. Il lui tire dessus alors qu'elle se rendait, la nana. T'es vraiment con, hein. Je t'envoie le taser dessus, merde. Putain, ça, par contre, c'est vraiment dommage, hein. Vous voyez qu'il tire... Ah, merde, c'est pour ça que je vais prendre. Voilà. C'est vraiment dommage que... je constate, hein, je découvre comme ça que bah, du coup c'est dommage qu'il tire comme ça à vue. Je vais remettre ma petite custom, je vais finir ma custom. Donc on va reprendre couleur noire. Je coupe la radio parce que c'est vraiment chiant ça aussi. Et je voulais mettre le spoiler. Voilà, c'est le premier que je mets à chaque fois.
Voilà, là on a retrouvé la configuration de voiture que j'avais au début, comme c'était prévu. Du coup voilà, là franchement, je dois avouer que je teste cette version avec vous. Elle est super sympa, mais il y a deux gros, mais vraiment très gros défauts, c'est extrêmement dommage. Le premier, c'est que on a tout simplement les flics qui tirent à vue. C'est n'importe quoi, t'as les flics, t'as une course poursuite, ça se trouve le mec il a juste pas passé, il a juste refusé d'obtempérer un barrage. Et en partant de ce principe, il tire alors que le gars dans la voiture poursuivie ne tire même pas. Donc c'est très très dommage. Et la deuxième chose qui est dommage, c'est que du coup on n'ait pas la possibilité de régler ça. Bah, alors on va faire cette intervention là. Sans trop m'avancer, je parie que le mec va mourir avant que je puisse sortir de ma voiture. Vous allez voir. attendez, on va voir ça. Nouvelle course poursuite, ok les gars ils sont empotés là, c'est parfait, je vais m'occuper de lui tout seul. Et là on prend de la vitesse, c'est quoi qu'on poursuit? Oh putain. Alors mais me dites pas qu'on poursuit ça quoi, bordel. On poursuit tout sauf des voitures normales. Ok alors attendez, on va essayer. Alors lui comment on va l'arrêter? Là obligatoire de tirer dans les pneus. Je vais le neutraliser, donc tirer dans les pneus, ça c'est autorisé, surtout que c'est un code 3. Donc en termes de code 3, on a le droit de l'arrêter par tous les moyens. Donc là j'ai tiré dans les pneus arrière. On va tirer dans celui-là aussi. Ok c'est bon, il roule sur une jante. Ok, c'est bon, il est sur les deux jantes. Je vais essayer de l'arrêter. Donc là, en fait, pourquoi je crève les deux pneus arrière, c'est pour faciliter la prise en tête à queue. C'est-à-dire que là, du coup... Bon, si mon collègue arrête de me faire chier. Les collègues, ils sont plus inutiles qu'autre chose, là. Dommage, enfin, là, je peux pas les retirer, hein, du coup. En fait, voilà. Bon, attendez, on va essayer de l'arrêter. Mes collègues vont le tuer, hein, j'en suis sûr. Dès que je vais sortir du véhicule, les collègues vont le tuer. Sortez, monsieur! Monsieur, sortez du véhicule! Bah, du coup, je tire avec un taser dans une vitre, ce serait très intelligent. Oui, du coup, en fait, ce qui se passe quand on tire dans les pneus arrière, du coup, la voiture ou le camion, entre autres, bah, pour maintenant, perd beaucoup de stabilité. Et t'as juste à donner un petit coup et le véhicule part en tête à queue. Vous allez voir, je vais essayer de vous montrer ça. Toi, collègue, tu m'énerves. Bon, regardez, je le fais partir en tête à queue. Je vais me mettre sur le côté. Putain, et les collègues, ils font vraiment n'importe quoi. Regardez, là, je le fais partir en tête à queue facilement. Et voilà, là, je l'ai bloqué. Non, je ne l'ai pas bloqué, puisqu'il s'en va. Mais je veux dire, on peut le bloquer assez facilement en crevant les pneus arrière comme ça. C'est une petite technique que j'ai développée sur GTA 4. Mais on va essayer de l'arrêter. Putain, il part vite, hein. Là, bon, là, ça va. C'est une poursuite qui se tient. Lui, il a cassé sa voiture. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est con. Mais ils conduisent comme des tarés, les flics. Ah. Alors, je vais partir. Mets-toi devant. On va le faire sortir. Sors de là. Oh putain le con. Mais sors de là. Mec. C'est bon, t'es foutu. Il est en train de défoncer ma massa. Là c'est bon, il va tuer le gars. Bon bah c'est bon. Oh mais il tire carrément avec une arme de... Mais il tire avec une arme de guerre mon collègue, mais c'est n'importe quoi. T'es vraiment con gros. Non là j'avoue que voilà, le truc qui abuse un peu c'est ça. Bon du coup je suis tout seul sur le coup, je vais le faire partir en tête à queue. Allez putain, arrête-toi. Ok, c'est bon, il est coincé. Faudrait que le collègue idéalement se mette à l'arrière, mais là on va pas en avoir besoin. Voilà, sors de là. Nickel. Ok, bon, là du coup, je peux rien faire, je crois, pour lui demander. D'accord, donc le collègue derrière moi vient de le tuer, donc voilà, c'était prévu. Donc on va dire que quand il meurt, concrètement, c'est qu'en fait on a réussi. Voilà, on va dire ça. De toute façon, on a pas vraiment le choix. Bon bah du coup voilà, intervention terminée, est-ce qu'il y a moyen d'appeler Non mais il n'y a pas moyen d'appeler en fait, je pensais qu'il y avait moyen d'appeler une remorqueuse mais du coup le camion on le laisse de côté. Donc Will, voilà, concrètement s'il y avait des choses à améliorer sur le mod, c'est tout simplement retirer ce problème d'IA qui tire à vue. D'ailleurs c'est pour ça que je prends jamais de collègues, c'est parce que ça tire à vue. Et sans réfléchir, ça va tirer et ça va pas juste nous aider à intervenir en donnant des coups de taser, ça va tuer au bal réel, donc c'est un peu n'importe quoi. Et puis à côté, t'as les intelligences artificielles des voleurs qui sont dans des véhicules totalement illogiques. Donc je vais refuser cette intervention. Voilà, donc là je suis donc indisponible. Donc là je viens de dire que je suis indisponible au dispatch. Et puis on va rapidement parler pour terminer cet épisode de... Oula ! Qu'est-ce qui se passe là ? Ah d'accord, bah attendez, je vais les aider. Apparemment ils poursuivent ce véhicule, donc je vais essayer de l'arrêter. Ouais, il a grillé un feu rouge, je vais l'arrêter quand même. J'essaie de comprendre ce qui se passait autour de nous. On va essayer de l'arrêter. Ok, c'est bon, il est à l'arrêt. Oh putain, ça tire.
Mais ils sont fous dans cette ville. Bon là, balle réelle, on va tirer à balle réelle. Ok, les deux suspects sont à terre. D'accord, je me disais, ok, il y a un hélico, il y a un collègue. Là, c'était même pas une intervention prévue. C'est-à-dire que là, c'était un événement random du jeu. C'est génial. Putain, ça, c'est parfait, ça, par contre. Du coup, voilà. Là, je veux bien que les collègues, ils tirent quand les méchants ripostent, entre guillemets. Là, par contre, là, c'est complètement normal. Donc, oui, alors, j'étais en train de vous dire, avant que cette intervention totalement imprévue arrive, que le véritable LSPDFR va arriver d'ici très peu de temps, et il sera très très complet. On aura la possibilité d'être donc des agents du FBI, donc avoir des interventions spéciales FBI. On aura la possibilité d'être des agents de police, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Alors j'espère qu'on n'aura pas les bugs qu'on a aujourd'hui avec les modes qu'on est en train de tester aujourd'hui. Parce que sans rigoler, c'est gênant. C'est vraiment très gênant d'avoir justement des agents qui tirent comme ça sans raison. D'avoir des collègues corrects, donc ça sera bien aussi. On pourra faire appel à des barrages routiers, on pourra faire appel à des unités spéciales du SWAT, un peu comme sur GTA 4 en fait. Sur GTA 4, on pouvait appeler le SWAT en cas d'extrême besoin. Pareil, les barrages routiers, on pouvait faire appel aux barrages routiers pour qu'ils bloquent la route devant nous. On pourra poser des véritables herses, et ça c'est cool. On aura des courses-poursuites beaucoup plus épiques avec des voitures très variées, donc on aura des courses avec des voitures comme celle-ci, comme celle qui est devant moi, des courses avec des voitures comme la mienne. On aura des voitures de police custom, donc ça sera bien aussi. On aura vraiment plein de choses à présenter. Sachez que voilà, ça sort d'ici 3-4 semaines, d'après ce que j'ai cru comprendre, ça va vraiment arriver. Il y a deux trailers qui sont sortis, et ces deux trailers nous montrent pas mal de choses. Donc voilà les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Désolé hein, pour les quelques bugs que vous avez pu constater, le petit bug au début de vidéo, mais bon, qui était de ma faute. Et puis là, on constate un peu que les IA sont un peu bêtes, mais bon. On aura quand même réussi à s'amuser un bon petit coup en mode police, et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, et j'espère qu'on se retrouvera très vite pour le vrai LSPDFR, parce qu'après, dès que le vrai LSPDFR il arrive, je ne lâche plus jamais GTA 5. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, ciao ciao.